Si le premier terme d'une suite arithmétique est 5 et que la raison est 3, quel est le dixième terme de la suite? Voici la suite. Le premier terme, c'est 5 et la raison, c'est 3. Et puisque la suite est arithmétique, d'un terme au suivant, on additionne chaque fois 3. La formule correspondante s'écrit comme ceci. Le n-ième terme de la suite, c'est le premier terme de la suite plus n moins 1 fois la raison que j'appelle petit d. En appliquant cette formule, nous trouvons donc que le dixième terme de la suite est égal à 5, le premier terme, plus ce 10 moins 1 fois la raison 3. Donc, le dixième terme de la suite, c'est 32. Pour cette question, on ne demandait que la réponse finale. Donc, si on ne se souvient pas de cette formule, on peut aussi écrire la suite puisqu'elle n'est pas tellement longue. Après le 5 plus 3, nous trouvons donc le 8. Plus 3, ça donne 11. Plus 3, ça donne 14. Et ainsi de suite jusqu'au dixième terme qui est bien 32.